que j'ai retrouvé ma gloire. Que dirais-tu de reprendre nos facéties? Si par facéties tu entends faire un bain de sang sur un champ de bataille et me laisser un paquet d'âmes à conduire aux enfers, non merci. Mais enfin, bonne équipe! Tu n'as pas besoin d'une équipe, seulement d'un nettoyeur. Tu n'as qu'à amener ces âmes aux enfers toi-même. Mais on s'ennuie là-bas! Y a personne à tuer, ils sont déjà tous morts! Peut-être pas tués, mais démembrés! Tu aimes bien ça, démembrés! Oh oui, j'adore! Et me lance pas sur la découpe, on pourrait découper des cadavres toute la journée. Mais découper sans tuer, franchement, quel intérêt! Arès, tu es bien le fils de ton père. Ah ah. Ok, bienvenue. Là, plus on les écoute, c'est dur et plus on a envie de devenir Kratos, honnêtement. Putain. C'est fou comme ils sont détestables, en fait. C'est faut être honnête. C'est fou comme ils peuvent être détestables. On va se téléporter... Et on va se téléporter en plein milieu, il y a plein de trucs à faire. Bonjour et bienvenue, nous allons continuer notre petite aventure. On va essayer de finir... nous allons essayer de finir donc la zone de la guerre. L'antre de la guerre. Ah, oh, ça gueule dans mes oreilles. L'antre de la guerre et après on ira, on enchaînera sur la zone du froid, là-bas. Mais voilà. Alors après, on essaie de finir la zone de la guerre, mais on n'a rien à récupérer. On est au max de tous les côtés. Mais bon, hein, on fait le jeu à 100%, blablabla. Blablabla. Voilà. Alors, il est où ce coffre? Il doit être là. Bon, tout le monde est déjà mort. Non, vous me dites, tout le monde est déjà mort, ça marche. Alors, on a une boîte. On a une boîte. On a un. Je trouve pas de mot débile. On a une boîte, on a un. C'est un levier. Non, ça marche pas. Je sais pas. Comme vous voulez. Alors, c'est lequel? Celui-là. Ok. Celui-là. Ok. Qu'est-ce que j'en fais de tout ça? Aïe. Et il nous en manque encore un. Ok. Donc, est-ce qu'on doit injecter une boîte dans le mécanisme? Là, j'en vois pas d'autres, en fait. Ah, on s'est fait toucher, j'avais pas vu. Est-ce qu'on tire une des boîtes qu'on a placées du coup? Vu qu'on a ouvert. Ah bah non. Oui, ça m'a saoulé ça. Celle-là elle s'ouvre. Bah après j'ai envie de dire oui, pourquoi on ouvre les portes si c'est pas pour les franchir, hein? Oui, ça a du sens. Ça a du sens. Ah, est-ce qu'il faut pas faire passer les deux boîtes en fait, deux par deux?
Genre. Maintenant, 2x2, ça va pas marcher. L'autre là, je peux pas l'avoir. Bah merde. Bah non, il m'en faut une troisième là. Oh là là. Putain, c'est... On est le matin là, je suis pas prêt moi. Pour ces conneries. Hein. Ah non, si, si c'est ça, parce que c'est au même endroit les... Voilà. En fait si c'était au même... Parce que j'avais pas encore calculé que les dalles où il faut marcher là, elles sont exactement au même endroit en fait. Donc du coup voilà. Voilà, perdu 2 minutes pour rien. Oh, qu'est-ce que c'est chiant ce truc. Souffle de bouc. Allez, on va regarder. On va regarder. Ça. Ah, c'est joli en blanc. Après, ce casque-là est joli, hein, mais j'aime pas trop le torse de... Ok. Là-bas, il y a une faille. D'abord la faille. Bonjour, ça va? J'aime bien ce que quand c'est un peu sombre, il y a tellement d'éclats quand on tape à plus de 85, c'est... Bon, moi mes yeux ils suivent plus. Hein. Moi c'est fini. Moi je vois juste des éclats, c'est tout. Moi c'est fini moi. Je ne comprends plus rien. Tant que je vois les combos augmentés, ça me va quoi. J'ai loupé le dernier coup avant. Bouge, bouge, bouge. Yes. Oh, le méchant. Ouais, non, complètement de la merde. J'avoue que... C'est que des animaux en fait. Il fait quoi notre... Ah, il fait ça, ok. J'ai un peu oublié ce qu'il faisait notre copain l'oiseau. Ah la pute. Ah, c'était une boule, ok. Wow.
Non. J'ai pas utilisé de potion d'attaque hein, ou de défense. Hein. C'est pour ça que... Ouah, des poulets partout. Non. Voilà. Des poulets partout. Ow. Non mais oh, ça va pas la tête. Je suis un demi-dieu. On est quoi? Je sais même pas ce qu'on est à ce moment-là. On est Castiel de Supernatural, honnêtement, à ce point-là. Parce que on est... Alors, on n'est pas un champion. De ce que Athéna nous a dit, on n'est pas complètement un champion. On est une sorte d'apprenti champion. Mais... On a la bénédiction de 4 différents dieux. Alors que... Je pense pas qu'en théorie, ça soit possible. Genre... Ceux qu'on a tués, là, les héros, là... Je pense pas qu'ils avaient autant de bénédictions. On absorbe la foudre de Zeus. On a les ailes d'Icar. Enfin voilà. Des dalles d'Icar. Vous voyez quoi. Donc en gros, pourquoi je parle de Castiel, c'est on est Castiel quand... Quand il se prend pour Dieu, là, parce qu'il a absorbé les Léviathans et tout ça. Ah, c'est juste là. Genre, en gros, on a différents pouvoirs de différentes directions et ça nous... Et on est à la limite aussi puissant qu'un dieu, quoi. Mais on n'est pas exactement... On n'en est pas un. On est, ouais, une sorte d'hybride. Un humain muté. J'aimais bien dans... Quand il y a la mort qui parle à Castiel, ce Castiel se prend pour un dieu. Et la mort dit... Il ressemble plus à un ange muté en fait. Une mutation. Enfin, je traduis de la version anglaise, je sais pas ce qu'il dit en français, j'imagine qu'il dit plus ou moins la même chose mais... A mutated angel, c'est ce qu'il dit en anglais, bien sûr. Donc je pense que c'est plus ou moins pareil en français. Supernatural qui m'a beaucoup aidé pour m'améliorer en anglais. C'était il y a des années de ça. Si jamais vous... Je parle de tout et n'importe quoi, c'est abusé. Mais bon, faut bien parler de tout et n'importe quoi, au bout d'un moment, faut combler le vide. Si jamais vous essayez de vous améliorer en une langue, je prends l'exemple de l'anglais parce que voilà, ça c'est à moi, mais ça doit sûrement marcher avec n'importe quelle langue. Regardez des séries en VO, c'est pas mal. Ce n'est point mal de regarder des séries en VO. Au début, vous regardez en VO sous-titré français. Puis après, avec le temps, vous allez commencer à comprendre quelques mots, puis après les phrases. Puis après, si jamais les gens ont différents accents, ça aussi, vous allez commencer à les comprendre. Donc, ouais, ça marche bien. Nettement mieux que l'école. Je sais pas moi, mais bon, moi j'ai 30 passés quand même, hein. Mais à mon époque, bah, l'anglais déjà, on s'en foutait un peu, je vais être honnête. Et bah, le prof aussi. Si vous aviez des mauvaises notes en anglais, tout le monde s'en branlait. En cette ère, l'épée de Phénix devait être tranchante et précise. À l'instar d'une guerrière amazone, maîtresse de l'arc.
Putain, DMC, là, on aurait S. Ah. Il faut pas, ma petite fille, Hippolyte. C'est la reine des Amazones. Au mieux, Phoenix serait bonne à, je sais pas, lui apporter de la tisane. Lui apporter de la tisane. Je suis sûr qu'on les défonce, les Amazones. Je suis sûr qu'on les massacre. Est-ce qu'on peut attirer ça? Pas mal. Hop là. Bon, on a fait le vide. Visitons maintenant avant de faire du puzzle. Mais ouais, putain, à mon époque, oh la vache. S'en foutait complètement. Il fallait avoir des bonnes notes, quoi. En français, en maths, en géo et histoire, tout ça. Ça aussi, tout le monde s'en branlait. Les profs, les premiers. Ouais, français, maths. Basta, je crois. C'était un peu triste, du coup. C'était un peu triste. Maintenant, je crois que. L'anglais a pris un peu plus d'importance. Bah, il était temps quand même. Parce que, bon, hein. Comme si, c'est pas comme si le monde parlait anglais. Hein. Là, on a des trucs. Oh, on a même en bas. Okay. Je pense qu'on va rester un petit moment dans cet endroit-là. Ok, allez, ça va être le moment puzzle. Ah ouais, d'accord. On est où, dis-moi? Là aussi, il y a du monde. Mais attends, on est où exactement? On est sur une île ou pas? Oui, mais là, je vois quoi, là? Là, c'est plus l'île. Ça, la tour, si? Elle est aussi grande que ça, l'île. Bah, apparemment, ouais. Et après, on a encore des gens en bas. On verra ça après. Ok, là. Qu'est-ce qu'il y a là? Un feu. Là, j'ai vu qu'on avait ça. On peut pas tirer à travers, on est d'accord. Ouais. Donc, tirer par là et monter. Oh là là, t'es sans déconner. Je crois que c'est ça. Aïe 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 aïe. Ok. Et d'un. Elle est où la porte? Ah là. Il y en a combien? 5? 5 cristals à faire. On va faire.
Très bien. Ok, le feu est là-bas. Ça monte. On va d'abord faire le tir à l'arc. Ah non, on a qu'à faire ça. Ah, vu que c'est des Amazones, c'est que des trucs à l'arc, c'est ça. Je vois plus de cercle. Ouais, on verra après. Alors, celui-là. Et un. J'imagine qu'il faut en faire trois. Deux. Trois. Eh, c'est un peu de la merde vos tests, hein, madame les Amazones, quand même. Tout petit peu de la merde. Ah, là-haut, là-haut. Ok, je crois qu'il en reste plus qu'un. Il en reste plus qu'un. Bon, par contre, je voudrais bien savoir où c'est le tir. On regardera ça après. Ah, c'est là. D'accord. Ah, oui, c'est normal pour... normal. Il y avait un peu un mur rouge. Yes, c'est tout. Ce jeu avec les puzzles, les combats et tout ça, vous avez, on avait vu la dernière fois, enfin des épisodes, non je me suis loupé, où il y avait plein d'options en fait par rapport aux puzzles, genre mettre l'emplacement des boules bleues, l'emplacement des différents puzzles, des trucs comme ça. C'est super rare en fait dans des jeux, surtout dans un jeu comme ça qui se veut surtout action, exploration j'ai envie de dire. D'avoir autant d'options, ça me rappelle vraiment même les vieux jeux quoi, genre PlayStation 2, genre Silent Hill, le 1 je pense pas qu'il l'avait. L'un des travaux d'Héraclès était de rapporter la ceinture d'Hippolyte. Je n'ai pas très envie de parler de ceinture là, surtout celle de ma petite fille. Bah, même moi j'ai mes limites. Première nouvelle. D'accord. Silent Hill 2. Où il y avait une différence entre la difficulté du jeu avec les ennemis. Je sais pas si le 1 il le faisait, je me rappelle. Et après la difficulté des puzzles. Ça me rappelle ça en fait. Il y a peu de jeux qui font ça. Au final. Du coup, est-ce qu'on a fini ici? Il reste plus que la faille. Mais je crois qu'on est bon. Je pense qu'on a tout fait. C'est quoi ça? C'est un... Oh. Oh, c'est chelou. C'est marrant ça.
Ok. Un point invisible, le pénitent, le pénitent. Elle est bon, la faille est là-bas. Je vois pas à quoi il sert le pont en plus. Faille. Ah oui, la dernière fois on avait vu que si la faille on l'avait pas finie, on avait. Elle se fermait pas en fait. Donc au final on les a toutes faites. Enfin on a pris tous les coffres à chaque fois. Maîtrise du courroux d'Arès. Ah, c'est pour ça que. On a dû monter. Monter avec ça. T'inquiète pas que le courroux d'Arès on le met. Ah putain, j'avais oublié qu'on pouvait pas s'accrocher aux parois. j'allais dire, bah du coup, c'est bien tombé. Oh là là. T'inquiète pas que le courroux d'Arès on le maîtrise bien. Ça fait un petit moment qu'on gruge le jeu. Enfin, on gruge pas mal de failles. Avec le courroux. Combien de coffres de... On va prendre un peu de... Oh là là. On va prendre un peu d'auteur. Je sais pas si on était censé passer par là, hein. Je crois pas en fait, je crois qu'il fallait aller juste en face. Nous on a juste un tout petit peu coupé. Ça fait presque de la musique, c'est bien. On peut s'accrocher à ça ou pas? J'ai envie de tester, mais... Non, j'ai pas envie de tester. Tombe pas. Alors, on a un coffre tout en haut là et tout en haut là-bas. Putain, c'est pas en... Oh là là. Ah, tu fais chier là.
On est bon. Aha. Deuxième couleur pour ça. J'ai envie de dire que ça, c'est même plus joli que ce qu'on a là maintenant, en fait. En vert, honnêtement, bon, c'est pas trop, mais là, c'est même mieux, quoi. On a le casque en vert ? Je m'en rappelle plus. Non, on n'a pas le casque en vert. Ah, c'est bête ! Attends, c'est bien cette armure. Hein. Ensemble d'armure du Tartare. J'aurais bien vu cette armure en fait avec une sorte de grande cape. Ouais, j'aurais bien vu ça avec une grande cape. Au final. Là, notre personnage comme ça. Ouais, ça peut être pas mal, mais il faudra en vert en fait. Qu'est-ce que tu veux faire là? On pourrait faire ligne droite sur le vent là, non? Bon, c'est un peu beaucoup de potions hein, utilisées, mais bon, c'est pas grave. De l'ambroisie. On fera un peu plus attention pour les potions. Reçu votre paiement, un Microsoft paiement. Ah oui, 10 euros du Game Pass. Faudrait que je fasse une liste, et encore le Game Pass je l'utilise pas à fond. Hein. Mais faudrait que je fasse une liste des jeux que j'ai joué déjà. Il y a Westland 3, déjà. Halo Infinite. Très bon au passage. Enfin, non, très très bon. Il est bon. Voilà, il est bon. Il aurait dû être beaucoup mieux, mais bon. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Ça fait 2. Phoenix 3. Machin from the Ashes, là. Le Dark Soul Shooter, là. Très très bon aussi, c'est par contre celui-là. 4. On a combien de. Ça va. On a eu fragment fondu. Je crois qu'il ne reste plus que 2 à récupérer de ça. Ça fait 4. J'en ai encore d'autres de jeu. Désolé, c'est une petite coupure, j'ai dû faire pause pendant le combat. Donc ouais, si vous voyez un saut d'image ou quoi que ce soit, c'est parce que j'ai coupé. Du coup, on était en train de Ambroisie, voilà.
Ambroisie. Peut-être pas que ça. C'est quoi ça en bas qui brille? Un cristal ou c'est un feu? C'est un feu, d'accord. Tu vas me dire que l'ambroisie elle est là-dedans? Non! Ça doit être en haut. Le mécanisme doit être en haut, j'imagine. Alors, qu'est-ce que je fasse avec ça? Faut aller sur des nuages. Non, c'est juste pour repartir. Qu'il faut aller dans l'eau. Ouais, voilà, ok. Trouvé. Très bien. Alors maintenant, on a ça là, on va se re-téléporter, comme ça on est de retour sur Terre. On va finir ça, je pense qu'on arrivera à finir la zone et on aura encore un peu de rabais je pense. Ouais, vu la vitesse où on va. Enfin vu qu'il reste pas grand chose, honnêtement. Tu m'as touché? Ah mais t'étais pas... J'ai dû te réveiller en fait. Pas grave. Voilà. Oh, on a pris cher, hein. On a pris cher de nous-mêmes. Ah, j'ai... Violent. C'est bien la violence. Dans ce monde de dieux et de monstres, Phoenix ne devait pas seulement être sage et forte, mais aussi rapide. Bonne chance. La lenteur des mortels est aussi légendaire que l'ivrognerie de Dionysos. Sauf lorsqu'ils sont à cheval. C'est vrai. Oh mon dieu, mais c'est méga loin. Il y a des plantes. Faut pas les prendre. Go. Yes.
On les a gagnés, donne. Non mais... C'est à nous. On prend toute force ici. Alors, très bien. Re-téléportage. Re-téléportation. Là-bas. C'est où? Je vois une boîte. Ok. Ça marche. Ah, il faut la force en fait pour bouger ça. Ça marche. Ah, les bouboules. J'en vois une là. Ah, c'est stylé. Dans l'armure. Dans la... Non, dans les statues, pardon. L'armure. Bonjour, ça va ? J'ai fait tournoyer l'épée, c'était pour faire le style. C'est pour que ça soit stylé. Vous inquiétez pas, faites pas attention. Alors, donne-moi ta boule. Merci. Donne-moi ta boule. Merci. On fait 2. On fait 5. Ah, c'est dans l'ordre qu'il faut faire ou c'est combien de fois il faut le faire? 1. Dans l'ordre. Merde. Qu'on a une boule là-bas. Ah, on n'a pas le temps, on est pressé. Hein. Voilà. Alors. Boum. 1. 2. Ça fait combien? 4. Ça fait 4. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin d'autres boules. Suivante, où est-ce qu'elle peut être? J'ai vu un cristal bleu. Ah, je vais y aller. Je sais que ça nous sert à rien, mais... ça brille, ça fait des étincelles et tout. Devant. Alors, on a fait là, à l'avant, à l'arrière, sur les côtés. C'est quoi ça là-bas bleu?
Des champignons, c'est quoi? C'est des champignons. Des champignons derrière une grille avec une boule bleue. Voilà. Ça, c'est bien. Ils sont quand même bien. Hein. Ils ont mis quelque chose pour qu'on s'en rende compte, hein, vous voyez. Il faut juste un peu observer, en fait, c'est tout. Il faut juste observer. Et quand, si vous avez compris la mécanique du jeu, enfin l'esprit, la logique, j'ai envie de dire, et le mécanisme, la mécanique du jeu, après ça devient très simple, en fait. Et c'est vraiment fun, en fait. Un jour, on va mettre... Putain, plus 10, vache. Ton venu m'a été annoncé. On m'a dit que tu me trouvais trop orgueilleux. Que tu craignais le courroux des dieux. Que tu souhaitais arrêter mes travaux. Maintenant, tu connais la vérité. Tu as ouvert mon atelier, mon roi. Je suis à l'intérieur. Puisses-tu avoir pitié? Nouvelle quête cachée. Alors, entrer dans l'atelier de Dédale. Mais ouais, ça c'est vraiment sympa une fois que vous avez bien compris les mécaniques du jeu et tout ça. Il n'y a pas de... C'est toujours genre des nouveautés, mais dans la logique du jeu, dans les mécaniques du jeu. Il n'y a pas de truc où on est là, ouais, j'ai quoi ce bordel, ça n'a pas de sens. Vous voyez, il n'y a pas de ça, ça c'est vraiment cool. C'est vraiment, 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 vraiment sympa. Ça fait plaisir un jeu comme ça en fait. Bon, c'est juste des nouvelles ailes. C'est les ailes un peu mécaniques là. Bon, elles sont sympas, mais... Ça aurait pu être mieux quoi. C'est où l'entrée? C'est là? Non, c'est en dessous. Hein. Non, doit être ça. On l'a fait ça? Je crois. Oui, je crois qu'on l'a fait ça. Oui, oui, il y avait un cristal et tout. Oui, oui, oui. Bon, ça doit être en dessous du coup. Let's go. Fais voir un peu. Wow. Avant que tu ne parles, j'espère que tu sais maintenant que je n'ai pas eu le choix. Je crois que mon travail plaira aux dieux. Et si jamais il existe l'ombre d'une chance qu'il laisse mon fils revenir des enfers, je... Quoi? Est-ce possible? Grand Zeus, je t'en supplie, de grâce! Bon, d'accord. Je ne suis pas fier de moi. Tu les as changés en cervidés. Vraiment? Ils voulaient avoir des fans ou des fans, alors... hein? Zeus... Oh, qu'est-ce que tu veux? Je suis comme ça. Je n'aime pas la concurrence. Je vois que tu as quand même décidé de garder l'île. Ah oui, elle est très bien. Notre plus cher inventeur. Aile de festivité de l'aube.
Ouais, c'est triste quoi. Admirez le lever du soleil au-delà de des fronts, des ondes, lorsque vous planez à l'aube. Ouais, bon, elles sont jolies celles-là. Genre comparé à ça. Bon, nous elles ont. Ouais, on va garder celle de Zeus quand même. Du coup, il n'y a rien à faire. Elle est super jolie la carte. J'ai vu qu'il y avait des boîtes. Mais. Mais je crois qu'il n'y a rien à faire. Donc tout ça, c'est lui qui l'a inventé. Enfin, il y a un peu tout en fait. Il y a les automates d'Héphaïstos et tout aussi. Il y a les leviers. Les cubes. Les dalles. Ah, c'est sympa quand même. Vraiment sympa. Les lasers, les harpes. Oh, miniature. Ah, ça tue, c'est super stylé. Après, la carte, elle est magnifique. Hein. La carte est super jolie. J'aime bien parce que la couleur or, elle reflète bien. On dirait vraiment que c'est quelqu'un a mis de l'or dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Genre une feuille d'or ou un truc comme ça. Ouais. Vraiment stylé. Mais enfin, bah c'était bien. Ah. Ah non, si, c'est fini. Ok. Bon. Alors... Alors, on a encore quand même pas mal de boulot, hein. Je veux pas dire. C'est que les failles en fait qui prennent du temps. Après, c'est facile. Désolé pour les quelques secondes d'inattention. C'est parti. Combien le 200? Ah! Donne-moi ça! Il y a eu le coffre. Ah, il doit être en dessous. Est-ce que les trucs viennent ou pas? Ah! Cassez-vous! Ah, c'est bon, ça remonte. On va y arriver, hein. Quel mâchoire de guerre blanche. Ouais, on s'en fout un peu. Yeah.
bien. Ciao. Ah, pour une fois, hein. On zappe. Alors, défi de Chronos. Oh non, Chronos, c'est quoi le dieu du temps? Voilà. Ou c'est pas le même? Faut que je regarde les coffres. Regarde les coffres. Il faut une grosse boîte. Intéressant. Par contre, t'es un peu loin là, non? Je crois pas que je... Si je l'envoie, est-ce que ça va? Non, il n'y a plus rien du tout. Après, je crois que si on va trop bas, on va mourir. Attends, il n'y a pas un truc là-bas? J'ai envie de te dire que c'est pas très haut, mais ah non, il nous faut un poids, hein, parce qu'il faut ouvrir la lumière en fait, c'est ça le truc. Qu'est-ce que je raconte, ouvrir la lumière, il faut activer la plaque là. Oh, attends. Là. Let's go. Couvre-chef de sombre victime. C'est quoi ça déjà? Alors, du coup, est-ce qu'on prend la boîte? Mais bon, du coup, on n'aura plus vraiment de, oula, plus vraiment de problème pour passer.
Allez, ciao. Attends. Ouais, ciao. C'est pas le tir. Non. Alors, bingo. Ça a viré les gens apparemment autour. D'accord, je savais pas ça. Je savais pas que ça allait détruire. Enfin, ça allait tuer les gens. Ah. Ok. Pas la tête. Hello there. Voilà, voilà. Ouh. Nouveau visuel, c'est... Oh, c'est sympa, ça. En blanc, comme ça. Oh. Nous, on avait mis quoi? Il était vert. Ouais, on a mis celui-là, je crois. Des astres à faire, 200 mètres. C'est parti. Ah, oh, je suis tombé quoi. Arrête. Mais, salope. On n'a rien vu. On n'a rien vu, le coup que j'ai complètement pris dans la bouche sans bouger. Tes postes sont tous morts, tu peux partir si tu veux. Elles sont sinistres, ces grottes. Cette grotte sinistre. Pour les 7 champions argiens et les 7 portes qu'ils ont attaqués sous les ordres de leur souverain légitime, leur roi Polybius. Allez les argiens! Ou allez Thèbes. Je sais pas, ça dépendra du maillot que je prends. C'est quoi ça? C'est quoi ce bouclier? J'ai vu des boucliers tout à l'heure comme ça. Ça, c'est un bouclier, un mec qui est sur une échelle. Avec une foudre dans la main, je crois. Là, c'est quoi? Serpent.
Alors, échelle, serpent. Échelle, serpent, Atalante. C'est Atalante. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, ça, c'est le typhon. Ça, c'est le serpent. Non, je crois qu'on pouvait pousser. Ah! Échelle. C'est qui, monsieur Échelle? Alors, échelle. Alors, est-ce qu'on pouvait prendre des boucliers là-bas? Non. Je comprends pas, sur... Je comprends pas. Où est-ce qu'il faut interagir en fait? Alors, lâcher. Ok, ça a l'air d'être bon. Alors du coup, il en manque un. Bah, il y a Atalante qui est pas là. On a le serpent et tout, donc c'est Atalante qui manque. C'est ça son nom, hein? Je crois. Je crois que c'est ça, c'est Atalante. Oui, bah il me manque celui-là. Ah! Ah! Y'a rien d'autre? C'est ça? Ouais, c'est ça. Let's go! Let's go! Et tout ça, c'est pour une boule. Hein. Donc, on n'a pas fini. Yay! Trop bien! Bah, il en manque plus que 4, c'est fun. Il en manque plus que 4. Ah, là-bas il y a un truc. Ok, là. Ça le fait aussi. Ok, j'ai compris. Ok, typhon. Une boule de plus. C'est bon, 2. Est-ce qu'il y a d'autres? Ah, ok, là.
C'est un peu éloigné à chaque fois, je trouve. Du chemin principal. Attends, il y a ça qui est pas ouvert. Ah. Ok. C'est pour une deuxième boîte, ça marche. Ça marche. Donc 2-3, passe-partout. On a 3 clés. Putain, qui c'est qui a regardé Fort Boyard à l'époque? Ok. 3. Oui, 3. Donc là. Donc on a fait ça, ça. Plus haut peut-être? Ça monte là. C'est ça, plus haut. Putain, trop fort, trop fort. Et l'autre elle est à côté. Okay. Parfait. Bah on n'a qu'à faire ça. Voilà. Pas besoin de se faire chier avec les lasers là. C'est sûrement pour récupérer la caisse. Mais Osef. Où est-ce que tu vas aller? Ok, bien. On a 4 passe-partout. Est-ce que. Temple de 50-50 ou la vie du public? Je mélangeais. Voyelle, consonne. Non, consonne. Voyelle? Toundra, vas-y, tourne la tête du tigre aussi. N'oublie pas. Je sais plus comment elle s'appelait. Ça devait être sûrement un nom bien africain exprès, parce que c'était une noire. Et genre, je crois qu'elle était un peu habillée à Amazon ou je sais pas quoi, je sais plus, je crois qu'elle avait des vêtements. Je sais pas, je sais plus. Kendra, on va peut-être l'appeler, je sais pas. Ah, c'était comme ça, c'est pas ma faute. Hein. C'est comme l'époque des Power Rangers. Le noir, c'était un noir. Le jaune, c'était une chinoise. Le roi des Argiens, Éthéocle, était le frère de Polynice. Ils s'estimaient tous deux titulaires du trône et se sont combattus. Cadmos, c'est le seul roi de Thèbes que je valide. Fortiche, le gars. Il a rendu service à tout le monde en tuant le serpent d'Arès. De toute façon, le serpent est bien mieux ici, sur l'île d'Or. Et sa constellation brille désormais parmi les étoiles. Ok. Ok. Désolé, je regarde un peu mon téléphone. Désolé, je m'excuse, on va récupérer notre nouvelle couleur. Le Power Ranger rouge, c'était un roux, je crois. Qu'est-ce qui manquait? Le rose, c'était une fille. Ouais, non, c'était l'époque où ça dérangeait pas, hein, les clichés comme ça. Ah, taisez-vous, les dieux, là. J'en ai un maclaque de vous. Ah non, c'est pas notre couleur. C'est quoi ça? Mener à bien les défis mythiques. J'ai cru qu'on avait une autre couleur de notre armure. Merde, je suis un peu deg là. Épée de vainqueur. J'avoue que je suis un peu deg. Épée de vainqueur. Celle-là? Ouais, sympa. La chaleur à forge brûle à jamais dans le métal de cette lame. Elle frappe l'ennemi avec autant de l'effet que la foudre fond le tronc de l'arbre. Pourquoi pas. Recommençons. Nous sommes peut-être partis du mauvais pied. Ça, j'en sais rien. C'est une blague. Parce que, allons-y, que tout le monde se moque du dieu boiteux.
Non, je ne suis pas doué pour les excuses. Je me prends toujours les pieds dans le tapis. Sérieusement? Tu en as combien qui parlent de pieds, là? Le pire, c'est que je m'apprêtais à citer les philosophes. Tu sais, là, mieux vaut un faux pas au sens propre... qu'au sens figuré. Oui, c'est pas drôle. Mais au moins, ça reste dans le contexte. Mais ne t'avise pas de me parler du nombre de pieds en poésie. Waouh, vous êtes aussi chiant que... je sais pas... un mur. Honnêtement. Vous êtes... non, c'est catastrophe les dieux là. Catastrophique. Presque fini. On va finir la zone dans les temps. Comme j'ai dit, cet épisode, on finit la zone. Même avec mes petits écarts. Une minute par-ci, une minute par-là. On va garder l'épée, même si elle est pas verte, vu que c'est un truc qu'on vient de développer. Mais attends, je vais dans le bon sens, moi. Bah, j'ai pas mis de marqueur, lol. On va refaire des potions, tiens. Eh oui, Pupiou. Ah merde. 16. D'accord. On a donc 408. Putain, là, ouais, là, les forces, on peut les utiliser. La défense, ouais, bof. La défense et l'endurance. Enfin, surtout l'endurance, il faut les... les économiser, énergétique. Alors, on s'en fout. C'est en bas. Ah oh, l'oiseau. Je voulais faire stylé avec l'oiseau, mais il n'est pas sorti. Ah, c'est pas fini le combat. Sûrement les boîtes en haut à faire tomber. Nous on s'en fout. Alors... faut tirer où? Ah, sûrement l'ordre en fait. Ah bah, simple. Pas mal le coup du... le casque c'est le commencement, les flèches c'est la direction. J'aime bien.
Non, on va voir maintenant. Donc là, ah, on a quand même encore une... Ça va, on enchaîne les trucs très vite. Tant que les failles sont pas, j'ai envie de dire, genre pourries, ça va. D'accord, le cheval, tu fais ce que tu veux. Je voulais passer à gauche, mais passer à droite si tu veux. Pas de problème. Le cheval, il vient avec nous. J'ai l'impression que les atterrissages sont différents quand on saute directement. Allez, ramène ta fraise. J'ai loupé mon combo. 1, 2, 3. Hop là. Bon, non, pas fini. Bien, c'est comme ça que j'évite les coups maintenant, c'est en faisant des attaques spéciales. Pas mal le coup de l'oiseau qui fiche pendant le combo, parce que vu qu'il tape trois fois et c'est quand même un peu espacé d'un certain temps, on arrive quand on tape, on défige et puis après ça refiche par derrière. C'est pas mal, ça va, ça marche bien.
Messager trop loquace. On va faire tous les coffres là, il y en a deux côte à côte. Je trace un peu, hein, c'est parce que si vous avez remarqué quand même que je tue moins les ennemis et tout, là je vais directement dans les failles et tout. De un, c'est parce qu'on n'a pas vraiment besoin de... Putain, pas du tout. On n'a pas besoin de... d'adamante, si on a tout fini. Mais c'est vraiment pour finir pour cet épisode. Finir les toute la zone en fait. Je suis en train de me demander s'il est vraiment dans notre zone celui-là. Enfin, il est à côté, on y va, mais il est pas dans notre zone en fait. Bonjour. Oula, tu m'as gavé toi. C'est vert, pourquoi pas? Ça change un peu. Ah, mais elles sont pas dans l'ordre en fait. Ah oui, mais en fait elles sont dans l'ordre du menu. Mais après, ça veut pas dire qu'on va les découvrir dans le même ordre. D'accord, ok. Direction à cause de cette hache, peut-être qu'apporter le malheur aux ennemis quiconque la brandit. Ça marche. Parlons de malheur. Ça, c'est ma vie, elle en est remplie, ça va. Let's go. Alors, maintenant, on a... Là. C'est pour ça que je me suis mis à faire des vidéos sur YouTube. Allez, monte. On est bon. Oui, il faut le prendre. Enfin, surtout parce qu'on avait plus d'endurance. Surtout ça. Je suis emmêlé dans les touches. Je dirais en dessous à droite. Genre dans une grotte, non? De la grotte, Phoenix prouve que les choses ne sont pas toujours telles qu'elles paraissent initialement. D'accord, elle l'a prouvé. Pour flairer un trésor, tu peux toujours compter sur une mortelle.
C'est pas faux. C'est pour ça, c'est ce qu'il disait en fait, parce qu'on était déjà venu là. Il y avait, il y a peut-être quelque chose et tout ça. En fait, c'est parce que, ouais. Il y avait le coffre. Je crois qu'on a fini la zone. Je crois qu'on a fini la zone. On va se remettre sur la statue. On va faire le tour, on va regarder un peu. On est au sommet de... Ouais. Je pense qu'on a tout. Non, oh, non, pas de... Okay. Regardez pas, hein, si ça, si ça vous gêne de regarder en haut, en haut, en bas, en haut, en bas, sans barrer. Ça serait bien qu'on ait une sorte de compteur d'objets à récupérer. Genre, est-ce qu'on a tout fait dans chaque zone, vous voyez, genre, bah, vous avez 5 failles à faire, vous avez 30 ambroisies. Ça serait bien. Après, je crois que vers la fin, je regarderai une map sur internet pour voir s'il nous manque des choses. Pour voir si on a tout fait. Parce que c'est vrai que de faire comme ça, là, ce que je fais, là, c'est un peu relou. Surtout qu'on peut, si on est proche d'une autre zone, on va identifier les endroits, enfin, les lieux importants d'une autre zone. Donc, c'est un peu relou. J'ai l'impression que mon PC fait beaucoup de bruit. Non, c'est... vous entendez rien de toute façon. On a bien configuré le micro. Bon, à part l'ambroisie, je vois que ça. Donc, c'est bon signe. Et ce qui est bête, c'est que dans cette zone, on a tué apparemment... Enfin, on est tombé sur les légendaires, des monstres légendaires un peu par hasard. Quand on est allé tuer genre le héros et tout ça. Et je crois qu'on les a fait les, genre, les uns après les autres. Après, il y en avait quoi, un à la forteresse de Ajax et basta, je crois. Donc, du coup, on a fait les boss très vite. J'ai l'impression. On a fait les boss très vite. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre. On rentre, on va voir si on a des missions qui sont terminées. Et puis basta quoi. Bah, on n'est pas à la fin de l'épisode quand même. À chaque fois je vais faire 2 heures. Alors, voisine, très sage guerrière. Nous allons abattre Tifon. On fait chier, 9 sur 10. La 7 du jour, ça c'est fait. Collez tous les fragments fondus dans les coffres de l'arène des cryptes de Tartare. Ah mais ça va pas nous le montrer, on est d'accord, hein, sur la carte. Oui, on est d'accord que ça montre pas, oui, ça montre que dalle. Ça, on a fait... Je crois qu'on est bon pour la nouvelle zone. Hein. Je vais être honnête. Moi, en fait. Ah, c'est 16, hein. Ouais, c'est 16.
Je pense qu'on est bon pour la nouvelle zone. On peut déjà y aller, hein. Comme ça, on enchaîne. Il faudra vite qu'on se casse, parce que sinon, on va entendre encore les cons parler. Ares, il a des bons côtés, mais il a l'air d'être un peu lourd, quand même. Par contre, est-ce qu'on a quelque chose à faire dans le Tartare, genre ? Ça m'intéresse, en fait. Peut-être que dans cet pour la fin de cet épisode, au lieu d'aller directement dans la nouvelle zone, on va peut-être garder la nouvelle zone pour le prochain épisode, c'est ça que je veux dire. Du coup, à la place, on va peut-être se balader dans le Tartare. Parce qu'il y a plein de gros ennemis, tout ça, et il y a des trucs aussi, je crois. Des coffres et tout ça. Donc, pourquoi pas. De ma gueule là. Bon, d'accord. Ah, merci la monture, parce que je voulais plus venir. Tout ça pour la faire se suicider. Bah oui, oui, mais c'est comme ça la vie, c'est pas tout rose, hein. Avance. Parce que maintenant on peut défoncer tout le monde dans le Tartare, hein, c'est super certain, certain. Mais peut-être qu'il y a des coffres et tout, et peut-être qu'on trouverait une faille avec la dernière pierre fondue, ou quoi, cristal là. Comme ça on change de couleur. Let's go! Bonjour les gens, comment ça va? Alors il paraît qu'on s'amuse ici. Ah ouais, tu balances des cailloux comme ça dans le dos, toi. Ouais, je crois qu'on est de taille pour cet endroit maintenant. Quelque chose me dit qu'on est de taille. Faut que je vois si je marque le coffre, est-ce qu'il s'affiche sur la carte? Parce que la carte, on l'a pas découverte en fait. Donc, est-ce que ça fonctionne? Faut voir. Ils disent qu'il y a un coffre par là. Par là. Ouais, on le voit quand on fait ça, mais il n'est pas marqué. Ouais, non, parce qu'on n'a pas découvert la carte. Donc, on est à l'aveuglette en fait. On navigue aux instruments. Voilà. C'était ma blague. J'ai pas d'instrument près de moi. Donc... Cadeau. Qui m'a touché derrière. C'est l'oiseau. Enfin, l'oiseau, il veut des points, il peut pas sortir. Là, je crois que c'est parce que. Je crois qu'il y avait l'arbre en fait. Ah, loupé. Mais c'est pas. Ah.
T'es aussi doué que moi, c'est bien. Là-bas, on a une cage là. On va aller voir ce qu'il y a dedans. Une ambroisie. Non. Ah, ok, je comprends. On a un... On a un levier, ça va être timé. Pas besoin des vents. Voilà. Peut peut-être monter, j'ai vu des lumières en haut. Je sais pas comment on l'a touché, je crois que c'est quand il faisait des pirouettes, là on a touché la queue, on a tapé la queue. T'es quoi toi? Lieutenant chien des enfers, ou un Cerberus? Un Cerber plutôt. Cerberus, c'est ça. Un Cerber, let's go! Let's go, le Cerber. Vas-y, ramène-toi, fraise. Regarde, on va même... Allez, on va même mettre une potion. Allez, on va faire genre t'es puissant. Et on a besoin d'une potion pour te combattre. Caméra! Caméra! Elle élaborée. On va voir un peu. On a l'air d'être sympa celle-là. Ah, j'aime bien les couleurs, les différentes couleurs là. Elles ont des flammes aussi. Un artisan de talent laisse sa marque sur tout ce qu'il a créé. Ce sont les selles de Dédale que vous trouverez. Pas mal, pas mal, pas mal. Qu'est-ce qu'on a récupéré? Encore un fragment fondu? Ah oui, fragment fondu de la dernière faille, j'avais pas regardé. Ouais, cool, on est... On a fait genre, on a mis des... On a pris une potion parce que le machin, il était puissant.
Voilà. Là, par contre, ça arrive d'être un. Là, ça arrive d'être un problème, par contre. Ça, ça serait un challenge en fait, d'essayer de combattre sans. Enfin, par contre, il faut que j'arrive à monter ça, quoi. Je peux pas. Attends. Oh putain, c'est ouf. Ok. On voit que dalle en plus, c'est ouf. Quoi. Non mais attends, il y a du nuage partout maintenant ? Ah ça y est, enfin. Ah, c'est parce qu'on est trop proche de la montagne principale, je crois. Ok, la montagne du centre. Ça marche. Intéressant. C'est vraiment pas ça qu'il faut faire. Mais... Coucou. Vous êtes très mauvais pour garder les coffres, les mecs. Vous êtes super mauvais, c'est ouf, quoi. Aouh ! Défoncer ta gueule. Tenez les arbres, vous aussi les arbres, vous connaissez. Enfin, quand je dis je vais te défoncer ta gueule, c'était prévu déjà à la base, hein, j'ai envie de dire. Donc, Phosphore, tu veux toujours pas m'aider? Non. Faut pas trop s'avancer. Ouais, 800 mètres, d'accord. C'est de l'autre côté, quoi. Toi, tu gardes quoi? Genre rien. Il y a beaucoup de ça, par contre, de machin doré là, d'ambre doré. Il y en a énormément ici. Oh. Il y en a énormément.
Pourquoi ça devient rouge? Qu'est-ce qui se passe? Attends, j'ai changé ma hache ou j'ai changé le skin de ma hache? Non, j'ai changé de skin. Ouais. M'explique pourquoi le un moment c'est devenu tout rouge partout. J'avais un peu peur. Oh. On a trouvé un toutou. Lieutenant des hybrides. Vas-y, let's go. Et adieu. Sympa. Aile de beauté. Déployer ses ailes et montrer à tous quelle est la beauté naturelle qu'importe du sujet. Non, ça va. Typhon, va falloir quand même que tu boostes un peu tes bestioles. Hein. Tu boostes un peu tes bestioles, gros. C'est là-bas. Ah, même que lui il en fait partie. Salut! C'est ça. Ah, c'est marrant le tartare! Plein de trucs à défoncer. Ouh, garde. Marrant. S'amuse. Gardienne. Gardienne doit tenir son poste. Peu importe qui approche de la porte. C'est sympa. Bon, l'épée m'embête, quoi, parce qu'elle est pas verte. C'est vrai que ça m'embête. On va remettre sur ça. On va repasser sur ça. Pour l'instant. Oh là là, toutes les ombres, ça pue.
Ah, ici, si on veut augmenter les potions vite fait, faut faire un petit tour ici, quoi. On va devoir rentrer, on va devoir s'arrêter. Un coffre. Ah, il est là-bas. Ça va, j'arrive, oh là là. Merde. J'ai fait la mauvaise touche. J'ai fait la potion de force au lieu de la potion d'énergie. Ah putain, c'était ouh. Oh bon bah on a trouvé un truc mieux. Quelle merde. Quelle merde. Oh, il y en a du monde. On se calme. Je sais si on en avait besoin de ça par contre. Fragment de minuit, très bien. Ah mais du coup il nous a il est un peu loin quoi. Bon c'est pas grave, on a fait ça, c'est bien. Je suis un peu mort comme une merde, c'est un peu chier. Mais... C'est pas très grave, on rentre. On a bien défoncé le tartare. Ça va. Je pense qu'on a assez pour les potions là par contre. Mettre tout au max. Je vais voir ça. Ça. Fragments fondus. Là on est 7 sur 10 pour les fragments de minuit. D'accord, ça marche. Bon ben voilà, c'est bien. Et la prochaine fois, go la nouvelle zone du coup. On va se reconcentrer du coup sur l'histoire. Donc ça, je sais pas où il faut aller. Je crois là, il y a des ponts. Là aussi il y a un pont. Je sais pas comment on y va en fait. Mais on va sûrement avoir une cinématique j'imagine. Donc on va se débrouiller. Enfin, sinon on peut passer en volant honnêtement. C'est pas très loin. Je suis sûr que nous on passe. Prêt pour notre équipement. Reste ça. Pour procéder à une amélioration, rendez-vous à la forge des Phaistos. Pourquoi il y a ça qui clignote? On peut pas aller plus loin, on est d'accord? Pourquoi à chaque fois ça nous dit pour procéder à l'amélioration, rendez-vous à la forge des Phaistos? C'est bas niveau. Non, mais nous on a fini, nous. On est d'accord. Il y a zéro d'amélioration et tout ça. On est tout au max. Tout au max.
Ouais. Ouais, on est tout au max. Bah voilà. Donc prochaine fois, nouvelle zone. Prochain épisode, nouvelle zone. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao.